Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour le troisième épisode de Tennis for Two. Je vous rappelle rapidement le concept, il est plutôt simple. Je fais une création à partir principalement de pièces Lego bioniques et puis ensuite, eh bien, Shadow doit s'inspirer de ma création pour en faire lui-même une à son tour et ainsi de suite. Et donc la semaine dernière, eh bien, justement, c'était Shadow qui a fait une vidéo avec sa création, une sorte, une libellule, ou pas une sorte, hein, une libellule orange et bleue. Et donc justement, eh bien, j'aurais pu m'inspirer de plusieurs éléments de sa création afin d'y répondre. Donc par exemple, le schéma de couleur orange et bleu, mais je dois avouer que j'étais pas vraiment trop fan d'utiliser le orange dans une de mes créations pour le moment. Donc j'ai passé là-dessus. J'aurais aussi pu réutiliser les pattes, car effectivement, ces dernières étaient réminiscentes, je trouvais, eh bien, des vieux modèles Lego Bionic sortis en 2001, principalement les animaux, justement. J'aurais aussi pu faire, eh bien, un animal, mais je n'avais pas vraiment envie, ou encore une monture, car aussi, je vous rappelle, eh bien, ces libellules pouvaient aussi faire office de monture, c'est un concept assez intéressant, mais que je n'ai pas repris. Non, effectivement, ce qui, moi, m'a inspiré, eh bien, c'est l'utilisation de cette pièce-là en tant qu'elle. Car je me suis rendu compte que cette pièce-là, aussi jolie puisse-t-il être, eh bien, je ne l'avais pas encore utilisée dans une de mes créations. Et donc, je me suis dit, eh bien, ce serait le moment, effectivement, de la reprendre et de l'utiliser. Car pour moi, c'est vraiment la pièce qui ressortait de sa création. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc là encore, eh bien, j'ai eu plusieurs idées sur comment l'utiliser. Et puis, une est ressortie, car c'était la plus aboutie d'entre elles. Et donc, ça a donné naissance à ce personnage-là. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris la pièce qu'avait utilisée Shadow pour en faire une aile. Et personnellement, eh bien, j'en ai fait une sorte de corne sur un personnage bipède. Principalement noir, comme vous pouvez le voir, quelques touches de gris foncé afin, eh bien, d'aller de pair avec la couleur grise clair, plutôt, excusez-moi, gris clair utilisé effectivement sur les connecteurs à ce niveau-là. Ainsi qu'un peu de vert au niveau de la tête pour différencier le mock des autres personnages de sa race. Ou de son espèce, plutôt, devrais-je dire. Et donc, pour ceux qui se demanderaient, effectivement, ces schémas de couleur a toujours été noir, et eh bien oui, car en effet, dans ma tête, j'étais resté vraiment sur du noir avec juste une pièce transparente. Et quand j'ai commencé à créer, eh bien, je n'ai pas vraiment cherché à placer une seconde couleur. Ce n'est qu'après coup, j'ai fait quelques essais avec des petites pièces blanches et ainsi que des pièces grises, avant de me rendre compte qu'au final, je pourrais juste garder les pièces grises et enlever les pièces blanches. Donc, on est vraiment resté quand même très fidèle au modèle de base, malgré l'ajout du gris clair et du vert pomme par la suite. Et donc cette création, eh bien, je la voulais assez compacte et petite de base, je la voulais aussi assez dynamique. Et donc il faut dire que je me suis plus ou moins, en termes d'image dans ma tête quand je l'ai créée, j'avais le personnage du jeu vidéo que vous connaissez peut-être pas, Beautiful Joe. Donc un personnage, une sorte de super-héros si vous voulez, avec une grosse tête et des petits membres et tout, dans un jeu d'action, et qui d'ailleurs justement porte lui-même une sorte de grande écharpe, ou foulard si vous préférez, qui permet en effet, d'ajouter du dynamisme au personnage et à ses mouvements. Et donc moi, dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir, au final, eh bien, ma sorte d'écharpe, ce serait cette pièce-là, à ce niveau-là. Et donc, je me rends compte que j'ai peut-être pas fait de, voilà, peut-être comparaison de taille tant qu'on y est. Voilà. Donc j'avais un peu cette inspiration-là, un personnage vraiment petit, assez nerveux et qui fonce dans l'action. Et de ce fait, les jambes sont créées plutôt rapidement parce que je savais, après avoir vu les pièces d'armure Hero Factory large, que je voulais effectivement, eh bien, des jambes larges au-dessus et plus fines à ce niveau-là, avec des pieds vraiment fins à l'arrivée. Et donc c'est pour cette raison d'ailleurs que je n'ai pas repris des pieds tout faits parce qu'aucun vraiment ne me convenait. Et j'ai plutôt préféré faire les miens avec, eh bien, une petite armure Hero Factory ainsi qu'une pointe au bout pour faire le talon. Donc très simplement. Mais en effet, des pièces qui ont été faites, enfin, tout ce qui est jambes, je l'ai fait très rapidement parce que j'avais déjà bien en tête avant de commencer la création du personnage. Et donc, c'est vrai que la création a commencé plutôt facilement, les jambes rapidement, puis le corps plus ou moins rapidement. Et c'est au niveau des bras que j'ai commencé un peu à perdre patience ensuite, et encore plus au niveau de la tête. Car en effet, il faut savoir, ce mock n'a pas été tout repos, il était fait en 2 jours. Et de base, il ne ressemblait pas vraiment à ça. Car certes, les jambes étaient bien celles-ci, mais auparavant, le corps n'était pas celui que je vous montrerai après. Le corps ressemblait à ça. Et donc, c'est vrai que c'est un tennis for two. De base, je devrais être plutôt rapide, mais j'aimerais quand même profiter de l'occasion afin de vraiment vous montrer les différentes étapes du design qui pourront aussi peut-être inspirer Shadow ou lui faire comprendre effectivement comment j'en suis arrivé là. Donc, ce qui pourront aussi être utiles pour lui. Et donc, effectivement, de base, mon corps, bah, c'était ça, une base Vaki. Et comme je voulais vraiment, entre guillemets, être totalement libre de ce que j'allais faire, je me suis dit autant faire un corps custom.
Ce qui fait qu'après coup, comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai mis un connecteur ici. Et puis, avec un ball joint, j'ai raccroché, non, ceci, j'ai raccroché une grande, des pièces toutes simples afin justement de pouvoir faire mon corps autour de ça. Et donc, de base, j'avais aussi un concept, c'est de reprendre les mêmes pièces de façon répétée. Donc, par exemple, les pièces de paint slicer qu'on avait ici et sur les côtés. Après, je me suis rendu compte que cette pièce-là, eh bien, convenait bien la forme de la pièce de slicer, idem pour cette pièce-là à l'avant. Et donc, de base, j'avais mon corps, j'en étais plutôt satisfait. Il pouvait pivoter un peu comme ça d'avant en arrière, donc j'étais voilà, j'étais plutôt content. Et après, j'ai fait les bras. Et les bras, j'ai eu pas mal de mal, parce que si vous voulez, de base, mes bras, je voulais qu'ils soient massifs, juste, entre guillemets, derrière les mains. Je voulais des bras assez massifs. Et donc, je suis, après plusieurs heures, arrivé à ce résultat-là. Car en effet, assez rapidement, je me suis rendu compte que je utilisais la grosse pièce de rakchi ici afin de vraiment avoir un bras massif. Le problème, c'était comment, à partir de cette pièce-là, en faire un bras normal. Car moi, je voulais vraiment une articulation normale au niveau du coude afin qu'il puisse pivoter comme ceci. Et donc, j'ai longtemps cherché et puis j'en suis arrivé eh bien, à ce résultat-là grâce juste à une simple pièce ici. Le problème de ça, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai un gros trou derrière. Et c'est un problème car effectivement mon mock est principalement fait de grandes surfaces planes, donc là il n'y a pas de trou qui ressort. Donc j'ai beau avoir essayé de le remplir, j'avais rien de vraiment satisfaisant. J'avais aussi des problèmes de taille parce qu'effectivement mon bras était quand même assez. Voilà, il arrivait à ce niveau-là, ce qui était des fois soit trop bas, soit pas assez bas. Donc honnêtement, j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à ce bras-là. Mais encore ça allait si vous voulez. Je n'étais arrivé là, j'étais plutôt ok, content, pourquoi pas. Mais ensuite, le truc, c'est que j'en suis arrivé à la tête. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, j'aurais dû faire la tête en premier. Car oui, ma tête, de base, c'était quand même l'élément. Enfin, je savais de base que je voulais utiliser ça pour ma tête. Et le truc, c'est que je l'ai fait à toute fin. Et je me suis vite rendu compte que bah, cette pièce-là est assez difficile à utiliser parce qu'il y a toute cette partie-là ici qui empêche vraiment d'avoir une sorte de forme continue. Ce qui fait que j'ai commencé à galérer sur la tête. Aussi pour la relier à ça. Aussi à cause de mes bras, et je me suis rendu compte au bout de mes quelques heures de création que ça ne me plaisait pas, si vous voulez, en fait. Grosso modo, j'avançais pas sur la tête, et forcément, quand j'avançais pas, et bien, je me disais, est-ce que mon corps, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, quoi? Est-ce que je ne l'ai pas plutôt créé parce que j'arrivais à faire à assembler des pièces ensemble, et puis je m'en suis pas contenté, alors pourtant, ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire de base. En clair, il y a un moment, si vous voulez, où on fait quand on crée, ça arrive. On fait un faux pas, et puis comme on peut quand même continuer, et bien on continue. Jusqu'à se rendre compte qu'au final, à la fin, il y a un mur, quoi. Il y a un mur et on est obligé de revenir en arrière. Et donc des fois, bah, ça ne fait pas envie parce que forcément, ça veut dire qu'on doit tout refaire depuis le début, on doit tout recommencer. Et je me suis dit, ok, d'accord, j'ai passé une journée là-dessus, j'en suis pas entièrement satisfait, donc c'est pas grave, on va dormir, et puis le lendemain, j'aurai de meilleures idées. Et donc, c'est pour ça que le lendemain, et bien justement, je suis parti sur un corps entièrement nouveau. J'ai réfléchi et je me suis dit que on passait à autre chose. On allait faire un corps encore plus simple. On n'allait pas se compliquer la vie. Et donc c'est pour ça que, comme vous pouvez le voir, en termes de construction, mon bassin, eh bien maintenant, ce n'est plus qu'un simple connecteur. Un connecteur sur lequel sont reliés les ball joints pour accrocher les jambes. Ce qui fonctionne bien, même si ce qui va aussi me bloquer mes articulations. Voilà, hélas. Après, pour le reste. C'est plutôt simple en fait, hein. Là encore, c'est fait au fur et à mesure. Mais tout simplement, mon connecteur, j'ai relié un ball joint. Et mon ball joint, presque directement après, je l'ai relié à mon connecteur titan. Afin d'avoir un corps vraiment très petit. Et comme vous pouvez le voir, au final, eh bien, j'ai des pièces grises qui permettent de relier l'avant ici et l'arrière à ce niveau-là. Et puis pour les côtés, eh bien, ces pièces-là me permettent d'avoir mon accroche pour les bras ici. Comme ceci. Et donc ça fait un corps vraiment solide et efficace. Et. Comment j'en suis arrivé à ce corps? Et bien tout simplement parce que j'ai commencé par créer la tête en premier quand j'ai recommencé. Et j'en suis arrivé assez rapidement avec ma tête à ces éléments-là. En clair, les têtes de les pattes, là, les espèces de pièces noires, je les avais assez rapidement pour ma création. Au début, j'ai essayé de passer un masque, ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné mes pattes en arrière afin qu'elles soient dans ce sens-là. Et ensuite, j'ai ensuite un peu égayé la tête avec des pièces de couleur et des pièces de pointe à ce niveau-là. Voilà. Et donc, en fait, c'est parce que j'avais une accroche comme ceci que j'avais eu l'idée d'utiliser un connecteur titan. Voilà. Et ensuite, pour les bras, comme on peut voir, ils ont changé. Les bras, en effet, maintenant, sont plus simples.
La pièce de Rakshi n'est pas à ce niveau-là, effectivement, elle est au-dessus maintenant. On a un connecteur double, et comme on peut, l'articulation au niveau des bras, eh bien, est bloquée, contrairement à ce que je voulais de base. Mais j'ai tout de même essayé quand même plusieurs choses avant d'en arriver là. Et effectivement, un des mix entre ça et ça, c'est ceci. Comme ça, ou plutôt comme ceci, ouais, excusez-moi. Effectivement, mon comport, en fait, c'est une sorte de mélange entre les deux parce qu'on retrouve bien cette pièce-là à ce niveau. Et néanmoins, on a quand même l'articulation qui est bloquée afin de justement ne plus avoir de trous quand on regarde le modèle de face, comme ceci. Voilà. Sauf que, en fait, quand j'ai fait ça. Par contre, est-ce qu'il pourrait se. Ah bah, j'ai carrément. Ah bah, moi, j'ai carrément bloqué mon truc, excusez-moi. Oui, donc effectivement, quand j'ai fait ça, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. Ben, écoutez, je vais le faire ici, c'est pas grave. C'est que, eh bien, c'était trop massif, si vous voulez. Là, je vous mets les deux à un côté de l'autre. C'est qu'en fait, eh bien, ce bras-là, que de base je pensais vouloir, parce que c'est vrai que de base je voulais faire une partie large au-dessus, une partie fine ici, et pour les bras l'inverse, une partie fine, une partie large, eh bien, je me suis rendu compte que peut-être c'était trop massif à ce niveau-là. Peut-être qu'effectivement c'était vraiment trop important en termes de masse reliée ici. Alors qu'effectivement, si à l'inverse j'utilisais ces pièces-là, eh bien, ça me permettait d'avoir une meilleure répartition des masses, une meilleure répartition des formes. D'ailleurs, je crois que si vous mettez celui-là rapidement, voilà à quoi ressemble le bras quand il est mis ici. Donc voilà. Donc c'est pour ça en fait que même si j'ai réussi à trouver une sorte de solution, une sorte de mix, j'ai préféré tout de même rester sur cette idée-là, qui n'était certes pas mon idée originelle, mais qui me semblait plus adaptée à la forme générale au final de la création. Voilà. Et donc voilà quand on est arrivé là. Donc j'espère que ce n'était pas non plus trop confus ni un peu trop long pour vous, mais je tenais quand même à tout vous expliquer. Et il faut savoir donc que ce mock n'est pas vraiment terminé, parce que si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter à l'arrière cette pièce-là. Et donc ça vous permet d'avoir un personnage qui gagne là encore en dynamisme. Mais je tenais quand même à vous le montrer de base avec juste une pièce parce que je pense que c'est aussi important de le voir un peu comment j'ai vraiment pensé dans ma tête de base, même si après coup j'aime bien aussi avec les deux pattes. Et enfin, donc il a aussi une arme, qui est celle-ci, qui est inspirée d'un. Donc c'est une espèce d'arme laser qui est inspirée d'un Medaroth. Donc là encore, je mettrai l'image dans la description. Par contre, je ne sais pas s'il gardera ou pas son arme par là, surtout pas. Et de base, il est censé avoir deux armes, mais le problème, c'est que je n'ai qu'un seul sabre laser. Voilà. Mais je tenais quand même encore à vous montrer pour que vous puissiez vraiment bien voir tout ce qui est passé derrière la création de ce mock. Et un mock dont, au final, je suis plutôt content, même si, quand même, il en reste les problèmes d'articulation qui, effectivement, sont assez limités au niveau des hanches, parce qu'effectivement les armures sont assez massives et ont tendance à s'entrechoquer avec le haut du corps, enfin avec le bas du corps plutôt, et aussi au niveau des bras. Voilà. Et pour ceux effectivement qui se demanderaient pourquoi de base changer les bras, parce qu'effectivement c'est vrai que quand j'ai fait mon nouveau corps et ma nouvelle tête, je pensais tout de même réutiliser ces bras-là. Mais en fait, après 10 000 essais à vouloir couvrir le trou, et après m'être rendu compte que la main bloquée, je me suis dit non, on change, je veux une main qui soit vraiment libre. Donc c'est pour ça que j'ai changé ensuite. Et par contre, je me rends compte que ce bol jaune-là ne tient mais absolument pas. Tiens. Bon, voilà. En attendant, je pense que c'est tout pour la création, donc pour cette vidéo aussi. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça aura inspiré Shadow sur quelques petits points ici et là. Voilà. Et donc il faut savoir aussi en peut-être en dernier point que ce personnage-là fait partie, je l'ai moqué, je l'ai créé consciemment en voulant créer une nouvelle espèce qui habiterait sur les planètes auxiliaires d'Universcape, parce que l'Universcape, je vous rappelle, est une sorte d'univers dans lequel je poste mes différentes créations de Lego bionique. Et dans cet univers, il y a plusieurs planètes, donc une planète principale et cinq planètes entre guillemets un peu annexes, si vous voulez. Et donc les planètes annexes, souvent, eh bien, regorgent de ce qu'on pourrait appeler des espèces extraterrestres. Et donc, eh bien, celui-ci en fait partie.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a tout un concept en fait d'évolution derrière ce personnage-là. Là, c'est que le premier ou le premier ou le second stade de cette espèce-là, parce qu'après ils évoluent. Et la pièce d'elle, là, joue un rôle primordial et à chaque fois apparente dans les différents stades de l'espèce, mais à chaque fois placée différemment. Voilà. Donc voilà un peu pour la petite histoire derrière le personnage. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse d'avance parce qu'effectivement, j'étais un peu fatigué, j'ai beaucoup de choses à dire, donc c'est des fois un peu confus. Bien évidemment, je reste quand même à votre entière disposition sur des questions, des commentaires. Et puis, bien maintenant, la balle est dans le camp de Shadow. C'est lui qui normalement fera un mock s'il arrive et s'il a le temps pour dimanche prochain. Et donc, eh bien, j'ai hâte de voir. Qu'est-ce qu'il peut faire à partir de ça? En tout cas, moi, c'est sûr, je pense quand même que la prochaine fois, j'essaierai d'être un peu plus libre dans mes techniques de construction. Et c'est aussi, comme vous avez pu voir, au final, eh bien, la pièce, je l'ai vraiment utilisée de façon annexe, entre guillemets, au mock, parce qu'elle est vraiment juste au bout du mock, et je ne l'ai pas utilisée vraiment, entre guillemets, dans la structure même de la création. Et ça aurait pu aussi être intéressant, effectivement, de voir comment c'est cette pièce-là, vraiment, faisant partie, eh bien, de la base même du corps du mock. Voilà. Mais bon. C'est vrai que j'ai fait ça un peu différemment, mais là encore, c'est des idées qui peuvent être exploitées, et je pense que je n'ai pas dit mon dernier mot avec cette pièce dans une de mes créations. Voilà. C'est tout pour le moment. Questions, commentaires, allez-y, et puis nous, on se retrouve plus tard donc, pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour plus de vidéos. Allez, salut à tous et à toutes!